Ronald Kabea, coach bruxellois, un frangin, encore une fois, vous allez dire ouais, mais lui il connaît toujours, mais c'est vraiment un grand que je connais depuis un petit moment. Toujours le sourire. Si vous connaissez Ronald, vous pouvez pas nier, toujours le sourire, la bonne humeur. Ronald, présente-toi. Voilà, je me présente, je m'appelle Ronald Kabea, comme il a dit, je suis bruxellois et j'arrive à mes 32 ans. Donc ça fait bientôt 4 ans. Ouais. C'est moi le vieux ici. Non, moi, on commence à être vieux, on a dépassé la trentaine là. Bon, ça fait 4 ans que voilà que je me suis lancé dans la préparation physique et voilà, le chemin est encore long. Mais on est sur le bon chemin par la grâce de Dieu. Hein. Ouais, franchement, je veux pas être trop exagéré, mais très modeste, parce qu'il dit le chemin est encore long, comme s'il vient de commencer, comme s'il n'y a rien. Mais moi, je vois, vous sur les réseaux, vous voyez, le gars, il fait du boulot, il a des personnes, et il entraîne vraiment des personnalités, si je peux dire ça comme ça. Trop modeste. Mais donc, non. Ne calculez pas. Non, mais pourquoi je dis, je suis encore dans le début, c'est qu'en tant que préparateur physique, la plupart, ils ont 15 ans, 20 ans d'expérience, tu vois. Okay. Moi, je suis qu'à 4 ans d'expérience. Tu okay. vois, donc c'est pour ça que je dis, j'ai encore beaucoup à apprendre. Okay, okay. Je suis encore loin, tu vois. Okay. Mais par la grâce de Dieu, j'ai bien commencé et tout. Et on se bat. Il n'y a pas le choix. Honnêtement, moi, je sais qu'avant, tu étais vraiment dans un autre domaine. Tu faisais autre chose. Tu ne faisais pas du coaching du tout. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du coaching? Qu'est-ce qui t'a lancé? Quel était le déclic où tu t'es dit, vas-y, bon, je vais faire du coaching maintenant? En fait, j'ai toujours été dans le sport. J'ai joué au foot et tout. Okay. Dans les études aussi, j'étais dans le sport. Okay. Mais j'ai eu, on va dire, une traversée. Une traversée où je me suis beaucoup cherché, tu vois. Et le moment phare de la vie. Voilà, tu vois, parce que j'ai fait 6 ans dans la vente. Ok, ok. Avant, oui, c'est ouais. ça que je me disais justement. C'était un autre domaine. J'ai fait 6 ans au HM, tu vois. Okay. Et je pense que c'est le déclic a été déjà une blessure. Parce que je me suis blessé, j'ai été indisponible pendant, je pense, 8 mois. Okay. Donc pendant ces 8 mois, j'ai un frangin qui m'a soutenu, qui m'a, entre guillemets, qui m'a donné des idées. C'était Gérard Lefondja. Okay. C'est un professionnel, mais aussi c'est un préparateur physique. Et par lui, en fait, j'ai commencé une formation. Pendant que j'étais blessé à la maison, j'étudiais. Et donc j'ai commencé une formation physical coaching. Après ma blessure, j'ai réussi avec des bons points. Je crois que j'ai fait 45 sur 50 et tout. Mm-hmm. Mais là, ça a commencé. J'ai commencé avec des petits frangins, vraiment des petits frères et tout. Mes petites cousines, parce qu'avant, je touchais à tout, tu vois, monsieur et madame, tout le monde, tu vois. Je me suis pas directement focalisé sur le foot, mm-hmm. même si je suis amoureux du foot depuis que je suis petit, tu vois. Pendant un an et demi, j'ai mélangé filles, garçons, foot, autre chose, tu vois. Et voilà, j'ai commencé avec mes petits cousins, ils avaient quoi, 14 ans, 15 ans. Les premiers joueurs que j'ai eus, c'est, quand je dis, pour moi, l'élite, hein, c'est Romeo Lavia et Johan Bakayoko. Et Astor Vrax, c'est 3 pépites. Ok. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que quand je retourne en arrière, c'est pour ça que c'est très important de garder les archives. Parce que quand ces petits devront des stars, tu pourras sortir toutes ces archives, tu vois. Voilà. Parce que ces petits, j'ai commencé à 13 ans. Aujourd'hui, il y en a un qui est à Manchester City, l'autre qui est au PSV Eindhoven, l'autre qui vient de signer à Wolfsburg, tu vois. Et pour moi, c'est juste waouh, tu vois, parce que tu t'es dit, ouais. C'est une fierté, tu as contribué à ce travail. Je suis sûr que tu n'exiges pas ton boulot, mais tu as apporté. Ils ne sont pas venus chez toi sans résultat. Au final, ce que tu as apporté a donné des résultats aussi. Tout à fait, parce que quand je regarde. Surtout moi, je pars du principe que le football n'est pas que sur le terrain. Il y a beaucoup l'invisible qu'on ne voit pas, tu vois. Oui, et je suis content d'avoir apporté à ces jeunes de l'invisible qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'on verra plus tard, tu vois. Et ouais, c'est quand tu te dis, ouais, j'ai fait du parcours, parce que ces petits m'ont vu, hein. Quand on partait au parc, moi j'étais dans le métro avec mon matériel. Moi je t'ai vu, tu t'entraînais donc, même au début, là maintenant. D'ailleurs, il entraîne au Faux les Faux Fix. Une vraie, ça, c'est un frangin, mais moi je l'ai connu, il entraînait au parc.
au Basic Fit. Basic Fit. Donc tu devais trouver des micmacs. Ouais, laisse tomber, c'était. Je me rappelle au début au Basic Fit là, je fraudais, tu vois. Je fraudais, j'avais pas de contrat là-bas, donc je devais courir de gauche à droite et tout. À chaque fois, je me prenais. Trouver des petites ouvertures des portes, etc. Laisse tomber, même sur le terrain cinquantenaire. Là, j'ai fait, je crois, 2-3 ans, tu vois. C'était. Ok, ok. Là, je venais le matin avec mon sac, avec le matériel. Après, je cours au travail au HM et tout. Donc, c'était vraiment difficile. Tu combines à ce job-là. Ok. Parce que ça fait pas. Ça fait quoi 3 ans que j'ai arrêté au HM. Ok, donc on va dire que tu as eu un an où tu as combiné HM coaching et après, quand ça allait un peu mieux au coaching, tu t'es dit vas-y HM. C'est fini. Ciao. Tu vois. Okay. Donc, c'est vraiment ça, tu vois, qui est. Tu sais, quand on dit souvent tu grandis dans l'expérience. J'ai grandi grâce à tout ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tranquille, tu vois. Je me pose pas la question parce que quand je regarde le chemin que j'ai fait en 4 ans, je me dis c'est que par la grâce de Dieu et que c'est pas une chance, tu vois. C'est du non, travail, c'est de la persévérance. C'est de la persévérance, tu vois. Parce que on va pas se mentir, hein. On est dans un pays où beaucoup regardent, beaucoup jugent, tu vois, sans comprendre, tu vois. Et au début, c'était beaucoup de jugement, tu vois. Beaucoup de jugement sans avoir testé mes entraînements. Les gens parlaient, tu vois. Et moi, ça m'a forgé. Ça m'a toujours forgé, tu vois. J'ai jamais eu un doute par rapport à ce que je faisais, tu vois. Et j'ai avancé avec la persévérance, tu vois. Avec la persévérance, parce que dans ce travail, c'est pas facile de se faire une clientèle. Parce que déjà, il y a beaucoup de coachs. Maintenant, tu dois arriver avec une différence, tu vois. Et la différence, elle a été faite, tu vois. Et elle sera encore faite, tu vois. Parce que là, je suis déterminé, tu vois. Je suis vraiment déterminé. J'arriverai où je veux arriver. Peu importe les circonstances de la vie, tu vois. Je sais où je peux arriver. Et je vais arriver, tu vois. Ici, tu as bien mis l'accent sur les joueurs un peu jeunes. Mais moi, je t'ai vu entraîner des professionnels. Notamment un international camerounais, si je ne me trompe pas, j'oublie son nom. Mais moi, j'ai vu pas mal d'autres professionnels passer chez toi. Pourquoi tu mets l'accent sur les petits tandis que tu as déjà entraîné des pros, même dans tes débuts? Mais, et quand je parle dans tes débuts, c'était même au Basic Fit. Hein. Ouais, ça c'est vrai ça. Mais pourquoi je mets l'accent sur les petits? Parce que déjà, c'est eux qui m'ont ouvert la porte, entre guillemets, du professionnaliste, tu vois. Dans le sens où c'est qui ont attiré la lumière. C'est grâce à eux que j'ai attiré la lumière, tu vois. Ouais, j'entraîne maintenant 2 internationales camerounais, Arnaud Djoum et Franck Moura. Voilà, tu vois. Voilà. Arnaud Djoum, c'est mon frangin depuis qu'on a 17 ans. Ouais, même pas, qu'est-ce que je dis, 15 ans. On était ensemble à l'école. On parle de 17 ans d'amitié. Ouais, voilà, tu vois. Et maintenant, donc lui... je le remercie parce qu'il m'a fait confiance, parce qu'il était déjà dans le monde pro, tu vois. C'est pas facile de faire confiance à un pote, tu vois, or que... Tandis qu'il y a là des vrais coachs autour, si voilà, on peut dire ça. Voilà, parce que c'est la santé avant tout, tu vois. Je peux pas venir faire n'importe quoi comme ça avec le corps d'une personne juste pour monter un nom, tu vois. Ouais. Donc, en plus, il sortait, lui, c'est grave parce qu'il sortait de... Il a eu une rupture des tendons d'Achille. Et ça c'est une des blessures les plus graves. Hein. Ouais, voilà, ça, parce que ça prend du temps, tu vois. Mais pendant cette période-là, il m'a fait confiance, tu vois. Il m'a fait confiance, c'est qu'on a travaillé durement. Et quelques mois après, il a fait la Coupe d'Afrique et il a été champion d'Afrique, tu vois. J'avais entendu l'entraîner un champion d'Afrique, hein. Mais lui, il dit qu'il est au début. Il a été champion d'Afrique, tu vois. Et ça a été une bonne expérience parce que lui-même, il a vu le travail qu'on a fait. Et comment ça l'a aidé, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, c'est devenu un bosseur. Or que, tu vois, à ses débuts, c'est vrai que la différence est là aujourd'hui, tu vois. C'est que les gens ne se rendent pas compte, c'est que nous, à notre âge, on n'avait pas tout ça. Tu vois, on n'avait pas toutes ces personnes autour de nous pour nous aider à préparer des saisons, à préparer nos saisons, à préparer nos performances, tu vois. On n'avait pas tout ça aujourd'hui. Et ils ont tout. Tu vois, ils ont tout à leur portée, tu vois. Non, y a pas, t'as le choix, où tu travailles ou tu vas en vacances. Wow. C'est simple, tu vois. Quand moi je vois chaque été, tu vois, chaque été je fais une préparation physique, c'est 2 semaines. Mais quand tu vois, c'est des gamins de 14 ans, 13 ans, ils refusent d'aller en vacances pour se préparer.
après, à la fin de la saison, ils voient le résultat, tu vois. Mm-hmm. Même pendant la saison, déjà en pré-saison, ils voient déjà le résultat, la différence entre les autres joueurs. Et c'est ça qui fait tout, tu vois, la préparation. Comment tu te prépares à un combat, tu vois. Chaque athlète, même nous, en tant qu'être humain, on se prépare chaque jour, tu vois. On ne sait pas ce qui va nous arriver, tu vois. Donc, on se prépare. Et la même chose pour un athlète, parce qu'un athlète, c'est encore plus dur. La concurrence, elle est là tous les jours. Ouais. Donc, tu montes sur le terrain, c'est que le duo là à côté de toi, qui est ton pote là, il est là pour ta place en fait. Il est là pour ta place, hein, tu vois. Il n'y a pas d'amis sur le terrain. Et quand tu n'as pas d'amis sur le terrain, tu dois te préparer en conséquence, tu vois. Et tout ça, c'est dans l'ombre, tu vois. C'est pas dans la lumière. C'est dans l'ombre, tu vois. Mmh. Un accent là tantôt sur le fait qu'il y a beaucoup de coachs. Tu vois, moi j'ai vu qu'il y a une grosse vague de coaching à un moment. C'était exagéré, tout le monde était coach personnel. Je comprends pas comment certains s'autoproclament coach facilement comme ça. Explique-moi un peu cette vague. Qu'est-ce que t'en penses toi de toute cette vague de coaching? Mais non, je vais pas rentrer dans un jugement, tu vois. Je vais donner un conseil. Je vais donner un peu ce que moi je vois aujourd'hui, tu vois. Depuis que j'ai commencé, tu vois, comme tu as dit, il y a une vague de coach, tu vois, qui se proclame coach. Pour moi, un coach, déjà, c'est une personne qui connaît ton corps, tu vois. Parce que c'est avant tout la santé de la personne que tu prends en charge. C'est pas un jeu, tu vois. Et malheureusement, les gens pensent que c'est un jeu, tu vois, parce que c'est de l'argent facile, entre guillemets. Parce qu'il faut savoir qu'ici en Belgique, tu peux être engagé au Basic Fit sans avoir un diplôme de coach, en fait. Ok. Tu vois, donc tu peux te proclamer coach sans avoir de diplôme, tu vois. Mais maintenant, le problème, c'est que quand une personne novice dans le sport va venir, elle va te demander des conseils, mais elle connaît rien, donc tu peux la baratiner, tu vois. Tu peux la baratiner, t'as un peu de muscle, tu vois, ça va directement. Voilà, je suis un coach, tu vois. Je te dis. Et le problème, c'est que c'est la santé de la personne. C'est que moi, quand je vois certaines choses, moi je conseille aux gens, hein, tu vois, quand je regarde quelque chose qui est mauvais, je vais pas dire efface, tu vois. J'ai dit tu peux améliorer, tu vois. La posture que tu as faite de la personne n'est pas bonne, tu vois. Elle risque de se blesser. Mais maintenant, il y a certaines personnes qui ont des gros égos. Donc tu peux pas leur faire de remarques. De remarques, tu vois. Il y a des personnes qui sont compréhensibles. Mais moi, parfois encore, je fais des erreurs, tu vois. Mais j'ai une structure de travail, tu vois. Et la structure de travail, tu peux pas la voir comme ça. Il y a des études à faire, il y a des livres à étudier, tu vois. Et ça, malheureusement, les gens ne le savent pas, tu vois. Et c'est pour ça que les gens qui prennent un coach doivent faire attention à ça, tu vois. Parce que c'est important, c'est leur santé, tu bien sais. Sûr, bien sûr. Parce qu'on va dire des bêtes trucs, des crunch. Un crunch, les gens vont voir sur internet. Tu sais quoi un crunch? Non. Donc, tu viens là, ici. Un peu de sport, non? Toujours, il fait du sport chaque jour. Non, un crunch, c'est pas bon. Tu vois, c'est pas bon, surtout pour une femme, tu vois. Et quand je vois, parfois je viens, je fais la remarque à la personne, tu vois. À une femme, je vais faire la remarque à une femme. J'ai déjà fait cette remarque parce que je travaille aussi au fitness Stadium Kinetics, tu vois. Okay, là, c'est vraiment, voilà, là, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Ok. Madame, excusez-moi, ce mouvement est mauvais pour vous. Elle va te dire, mais mon coach me fait faire ça. Wow. Oh, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux dire à ce genre de personne? Wow. Tu vois. Alors que moi, je te dis, c'est pour ta santé, c'est pas bon. Va sur internet, tu vas voir, lis un peu, tu vois. Instruis-toi. Ne fais pas des mouvements sans les connaître, tu vois. Et ça, le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont pas bonnes. Et les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Et malheureusement, il y a trop de coachs. Comme tu dis, des faux coachs, tu vois. Des charlatans. Des charlatans. Oula, on sait quoi. Et c'est pour un business, tu vois. Mais tu peux pas faire le business sur la santé des personnes, tu vois. Instruis-toi. Il y a plein de livres aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, t'as pas besoin de faire 3 ans d'études pour être coach. Tu vois, il y a des formations qui coûtent cher. Mais tu sais que tu vas sortir de là avec des connaissances et avec un bagage, tu vois. Et c'est le plus important, tu vois. Parce que tu seras crédible devant les gens. Et même devant certains coachs, tu vois. Tu dis, je pense que c'est limite comme un peu, je vais dire ça, de comparer à des DJ. Tu penses que tu arrives avec un set, tu mélanges juste des musiques et c'est bon. C'est parti, tu vois. Tu vois, oui, c'est un peu la même vague que j'avais vue pour les coachs. Mais bon, comme tu dis, on n'est pas dans un jugement, mais faites attention parce que vous jouez avec la santé des personnes, comme tu dis. Je voulais te poser une question, maintenant tu as un peu répondu, mais moi, j'ai vu
de loin ton rôle de grand frère que tu joues beaucoup avec les petits. Est-ce que eux, ils ont cette facilité? Comment t'établis ce lien? Parce que vas-y, de base, vous ne connaissez pas. Tu vois, de base, vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, moi, je vois, de ce que je peux percevoir, j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu ce grand frère en toi. Est-ce qu'il vient même par rapport à des conseils ou des choix même qu'ils font même dans leur club ou autre, ou même par rapport à la vie? Est-ce que tu mélanges ça? Ben, on va dire, tu vois, comme je t'avais dit par rapport à mes études, j'ai eu la chance de faire des études, tu vois, dans l'éducation. Donc, j'ai fait des études en tant qu'éducateur sportif. Okay. Mais je ne les ai pas terminées. Et ça m'a permis, en fait, d'apprendre des choses, tu vois. Et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de très sentimental dans le sens où je suis très protecteur. De base, tu vois, avec ma famille, avec mes nièces, je suis vraiment quelqu'un de très protecteur. Je préfère aider une personne si je peux, tu vois, que me bénir moi-même, tu vois. Et ces petits, comme j'ai dit, c'est pour ça que je prends des gens jeunes. Pourquoi? Parce qu'une personne de 28 ans, 29 ans, va te dire qu'est-ce que t'as à apprendre. Mais un petit de 14 ans, 13 ans, t'as beaucoup de choses à apprendre. T'as énormément de choses à apprendre. Et c'est pour ça que moi, dès le départ, je pars avec un principe que je suis ton préparateur physique, mais je suis ton enfant, avant tout. S'il y a quelque chose, tu me le dis. Si j'ai mal fait, tu me le dis. Parce qu'on est dans une relation comme ça. J'ai déjà eu des conflits avec des jeunes, tu vois. Mais c'est normal. Normal, c'est la vie, ouais. Quand tu aimes. T'as déjà vu un amour sans... Non, tu vois. Je suis marié, crois-moi. Voilà, on est mariés tous les deux. On est mariés tous les deux, excuse-moi. Ouais. On sait ce que voilà, c'est. Voilà, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai pris beaucoup ce rôle de grand frère. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans le foot, hein, c'est pas que sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, tu vois. Et c'est depuis que je suis dans le monde professionnel que je le vois. Il y a beaucoup d'aspects que tu contrôles pas. Et à partir du moment où tu es mal entouré, tu peux péter un plomb. Et les jeunes aujourd'hui reçoivent l'argent très vite, tu vois. Mais maintenant, moi, comme j'ai dit, moi, je suis cash. Moi, j'ai déjà remballé des jeunes. Pourquoi? Parce que j'aime pas ta posture, tu vois. Tu viens chez moi, tu commences à faire des déhanchés comme si tu étais dans la rue. Non, on est déjà des blacks, tu vois. Ouais, on est déjà des blacks. Ouais, comporte-toi dose, bien, ouais, tu vois. Ouais. Pourquoi tu te comportes comme ça? Ton arrogance va t'amener où? Nulle part, tu vois. Et je te dis, moi, je veux pas sortir des noms, tu vois. Mais il y a beaucoup de jeunes qui m'ont demandé conseil avant leur transfert, tu vois. Et c'est vrai que j'ai dit l'impact que j'ai sur ces petits. C'est une dinguerie, tu sais. Je m'en rendais pas compte. C'est une dinguerie, parce que normalement, bon, excuse-moi de te couper, c'est le rôle d'un agent ou des trucs comme ça. Donc c'est même pas ton domaine, tu limite. Tout à fait, tu vois. Et je me suis rendu compte que j'avais un impact énorme sur ces jeunes. Et c'est à moi de tirer le meilleur d'eux, tu vois. Tirer le meilleur d'eux, c'est donner des conseils. Mais non, donner des conseils, c'est toujours dans une communication ouverte, tu vois. Je suis pas un dictateur ici, on n'a pas le même sens. Moi, je vais te donner un conseil, tu le prends, c'est gratuit, tu vois. Mais je suis plus dans cette démarche-là où. Parce que quand tu regardes avec ces jeunes, j'ai combien? 15 ans de différence? Jérémy, quand je vois, il a 18 ans. On a presque 14 ans de différence, tu vois. T'as connu la vie. Donc, je connais la vie par rapport, tu vois, à cette différence d'âge, tu vois. Donc, je me dis, Ronald, avant d'être préparateur physique, essaie de les conseiller, tu vois, parce que toi, t'as vu, j'ai eu beaucoup d'amis dans le monde professionnel, il y en a qui ont bien réussi, il y en a qui ont eu ces problèmes, tu vois, mais ces problèmes-là, il y a toujours une solution. Mais maintenant, pour arriver avant d'avoir ces problèmes-là, il y a un travail à faire, tu vois, et ce travail, je pense que ça commence par nous qui les côtoyons chaque jour, tu vois. Moi, j'ai des parents, sincèrement, et c'est pour ça que je remercie vraiment les parents qui m'ont fait confiance dès le départ, qui me bénit chaque jour, tu vois, par des paroles, en me disant, voilà, Ronald, mes enfants te considèrent vraiment. Pour eux, tu n'es pas leur préparateur physique, tu es leur grand frère. Donc, continue à faire ce que tu fais avec eux, tu vois, parce que tu les aides beaucoup, tu vois. Et ça, le mot aider, tu vois, dans la vie aujourd'hui, beaucoup de gens sont personnels, dans le sens où tu regardes que ton bien, tu vois, à toi. Mais non, non. Tu vois, dans la vie, tu dois savoir aider les gens, tu vois. Et je pense que c'est le plus important avec ces jeunes, parce qu'on est dans un monde où parfois tu as des difficultés à la maison avec tes parents, tu vois. On ne s'en rend pas compte, tu vois. Il y a des petits qui nous. Chaque petit a deux
y a deux facettes dans une famille, tu vois. Une famille où tout se passe bien, une famille où il y a des problèmes, tu vois. Maintenant, c'est pour ça que je dis chaque jeune, quand je vois mes jeunes, chacun a son caractère. Mmh. Et le caractère dépend de ce qui se passe aussi dans ta vie, tu vois. Donc tu dois savoir parler de la bonne manière avec les jeunes et savoir comment les gérer. Et moi aujourd'hui, je peux le dire que j'arrive à les gérer dans le sens où j'arrive à avoir une communication libre avec eux, tu vois. Il y en a où j'ai pas besoin de les envoyer un message pour qu'on parle. Il y en a où j'ai besoin d'envoyer un message. Donc c'est différent. Tu peux pas dire ouais, il m'envoie jamais de message, je vais pas l'envoyer des messages. Mmh. Tu vois comment on est. Et parfois on est égaux, tu vois. Oh. Non, ce petit là il croit trop que c'est une star. Moi pour moi, aucun de ces petits est une star dans le sens où pour moi c'est d'abord des êtres humains. Tu vois. C'est que en fait le problème dans la société où on vit aujourd'hui, c'est qu'ils mettent vraiment en avant ces jeunes-là, tu vois. Moi je connais des petits qui ont des pressions dès les 14 ans. Comment tu peux mettre des pressions à une personne de 14 ans? Le petit il est là juste pour jouer. Mais maintenant lui c'est votre situation de vie, c'est lui le sauveteur de ta vie. Ouais, tu vois. Ouais. Moi, comme je te dis, il y a des histoires. Il y a des dingueries, tu vois. Des dingueries vraiment au niveau familial, des dingueries au niveau des clubs. Mais maintenant si t'es mal entouré, tu peux te péter un pont, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important l'entourage. L'entourage vraiment c'est. Les gens ne s'en rendent pas compte, hein, mais ça fait tout dans une carrière. Hein. L'entourage fait tout dans une carrière. Et quand tu peux commencer jeune à créer ton entourage, à créer ton cercle, t'es bénéfique. Hein. C'est bénéfique pour toi. Tout ce que tu es en train de me dire, ça, limite ça me choque. Parce que j'ai déjà entendu certaines histoires où, tu vois, même quand on fait l'histoire par rapport à, je pense à des bailleurs qui expliquent que vas-y, même sa famille à l'époque lui disait vas-y, toi envoie l'argent et des trucs comme ça. Et j'imagine trop à cette époque comment les parents ils sont à fond sur leurs enfants parce qu'ils veulent en tirer de l'oseille. C'est sincèrement, j'ai eu des petits comme ça, tu vois, avec des problèmes comme ça, tu vois. Et tu te rends pas compte, c'est des petits qui dorment pas. Donc tu imagines, t'as 14 ans, t'as 15 ans, 16 ans, on te met déjà une pression comme ça. Mais tu vois cette pression-là, donc elle commence à 16 ans. T'imagines le petit, il fait 35 ans, il fait jusqu'à 35 ans de carrière. Mais pendant combien? 18 ans, il a la pression comme ça. C'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte que la vie professionnelle, c'est quelque chose, tu vois. C'est des sacrifices chaque jour. Sacrifice chaque jour parce que c'est un sacrifice que tu dois faire dans ton entourage déjà. Tu vois. Parce que tu as un mauvais entourage. Parce que on est toujours amis de celui-là qui a le succès. Tu vois. Vrai. Quand il y a le succès là, tu as beaucoup d'amis. Mais quand tu n'as plus de succès là, il n'y a plus d'amis, tu vois. Mais maintenant, c'est à toi de voir de loin, d'anticiper. Tu vois, quand on dit une action, une faute, tu l'anticipes. Quand tu es un vrai dribbleur, tu vois, tu l'anticipes. Et c'est la même chose dans le foot, tu vois. Tu anticipes déjà, c'est parce que ceux qui savent pas, c'est que le chemin est déjà tracé pour eux. Parce que les erreurs, on les voit. Ça passe dans les journaux, tu vois. Les erreurs des footballeurs, on les connaît. Les femmes, ça. Est-ce que tu vas faire une nouvelle erreur qu'une personne n'a jamais fait? Non, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est déjà tracé. Ouais. Le chemin, la réussite est déjà tracée. Ouais. Mais c'est toi qui fais les choix. Dans la vie, tu vois, parce que même moi, quand tu regardes, que ce soit toi aussi, qui n'a jamais perdu son papa, qui n'a jamais perdu sa mère, tu vois, il y a beaucoup de gens, tu vois. Moi, dans mon entourage, mes potes, je pense qu'on, moi personnellement, moi j'ai perdu mon papa, tu vois, non, t'inquiète, et dans mon entourage, vraiment, entourage, on n'est pas beaucoup qui ont un papa, et c'est pas pour ça qu'on a mal tourné, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais, tu vois, les gens, ils ont déjà préparé le chemin qu'on doit, sur lequel on doit aller. Mais c'est toi qui choisis entre les deux chemins. Ou tu prends le chemin de la persévérance, la discipline, tu vois, ou tu prends le chemin de la facilité. Bah après, tu peux pas dire que c'est ta faute. Bien sûr. J'ai pas réussi, c'est ta faute. Tu peux pas mettre la faute sur quelqu'un. Quand tu réussis pas dans la vie, c'est toi. C'est toi. Parce que à partir du moment où tu as la santé, tu peux tout faire. Le maître de c'est, il y a des gens qui étaient clochards qui sont devenus riches. On voit beaucoup ça au state, tu vois. Ouais. Pourquoi ça ne peut pas arriver à toi? Tu vois. Aujourd'hui, on voit, on a des formations. On n'a même plus besoin d'aller à l'école. En vrai de vrai. Non, mais la vérité. En vrai de vrai. Regarde tout ce qu'il y a sur YouTube. En vrai de vrai. On n'a même plus besoin d'aller à l'école. Ouais. Mais tu dois t'instruire, tu vois. Et ça, le problème, c'est que le petit. Hier, je disais un truc, hein.
un article qui disait, pour être un joueur professionnel, il faut apprendre à souffrir. Souffrir, parce que c'est chaque jour. Tu vois, chaque jour. Et c'est pour ça que parfois, je me bats avec certains jeunes qui disent, quand je vois qu'ils sont trop dans une zone de confort, sors de ta zone de confort, tu vois. T'es trop à l'aise. T'es trop à l'aise, tu vois. Sors de ta zone de confort. T'as commencé un travail, continue. Continue ce travail, tu vois. Ce travail te permet de... Tu sais, moi, comme je dis, moi, j'ai des rêves. J'ai des rêves. Et mes rêves, mon plus grand rêve, c'est participer à une Coupe du Monde. Grâce à un petit... Quand je dis participer, c'est que je sois dans le stade et voir mon petit en train de jouer. Tu vois. Ça, c'est mon rêve. Et ça va arriver, tu vois. Ça va arriver avec chaque petit, parce que chaque petit a un potentiel. Moi, je compare jamais les petits. C'est pour ça que, tu vois, parfois, quand je fais des questions, tu vois, réponses sur mon Instagram, certains me demandent, ah, est-ce que c'est qui le joueur le plus fort? Non. Chacun a son potentiel. Chacun. Il y a une personne, tu vois, comme je dis, souvent petit, tu peux avoir le potentiel de faire tous les championnats. Tu peux avoir le potentiel de faire, t'arrêter en D2. Mais tu vas arriver au sommet de ton potentiel. C'est pour ça que pour moi, personnellement, je dis, j'ai un potentiel, mais je ne sais pas où il va me permettre d'arriver, tu vois. Peut-être je ne veux pas arriver au potentiel du préparateur physique de Cristiano Ronaldo, mais je sais que le potentiel où je vais arriver, c'est le potentiel que Dieu m'a permis, tu vois, qui m'a mis le sommet, tu vois. Parce que, comme on dit, tu peux faire le travail comme Cristiano fait. Tu commences à traîner, tu ne vas pas faire ce que Cristiano a fait. Grave. Pourquoi? Parce que vous avez deux potentiels différents. Et c'est ça que les jeunes doivent arrêter de se comparer. Parce que la carrière de ton pote, ce n'est pas ta carrière. Tu ne vas jamais arriver, déjà, vous ne jouez même pas sur le même poste. Vous n'avez pas les mêmes caractères. Donc, tout est différent. Tout est différent, tu vois. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que même moi aujourd'hui, tu vois, beaucoup. Tu vois, ça me fait plaisir qu'on me demande, ouais, comment t'es arrivé là, tu vois. Comment tu as fait, tu vois. Est-ce que je peux venir te voir, voir comment tu travailles. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que. Dans ce petit truc, c'est que. Cherche à avoir ta personnalité. Ne cherche pas à avoir la mienne, tu vois. Cherche à avoir ta discipline, tu vois, voir, parce que mon fonctionnement, je l'ai cherché, tu vois. J'ai commencé, ça fait pas longtemps que j'ai ce mode de travail, tu vois. Mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui me correspondait, tu vois. Et ça que quand je dis aux jeunes qui veulent se lancer dans la préparation physique, c'est que lancez-vous, mais cherche ta personnalité dans la préparation physique, tu vois. Parce que chaque coach a une personnalité, et ça qui fait la différence, hein. Aujourd'hui, il y en a qui veulent pas de contact. Il y a des coachs qui non, tu vois, ça s'arrête là. Il y a des coachs qui, voilà, le contact est trop important. Moi, personnellement, moi, à partir du moment où un petit arrogant, que tu joues en Ligue 1, que tu joues en Première Ligue, ben, tu vois, tu me fais pas manger, tu me fais pas vivre, tu vois. À partir du moment où il n'y a pas de respect entre nous, je peux pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Impossible. Il y a ce gros problème, justement, où il y a des jeunes qui sont percés, si je peux dire ça comme ça, ou qui sont dans le foot. Ils oublient même ce respect de grandes personnes. Tout à fait. Ils oublient ce truc d'aîné. Et pour eux, en vérité, vas-y, moi, c'est l'oseille. En vérité, personne ne peut parler avec moi. J'ai la notoriété. Et moi, je te dis, bon, par une petite parenthèse, j'ai déjà eu ce problème où j'ai dû recadrer quelqu'un. J'ai dit, hey, frère, moi, je suis fou de quitter. Si tu veux, on descend. Après, on va parler. On va voir là si ta notoriété va faire tes coups. Non! Et c'est ça qu'il y a un gros problème, comme tu dis, comme tu expliques. Comme tu dis là, s'il n'y a pas ce respect dans le coaching, même si qui que tu sois, c'est pour ça que quand je dis, je ne mets pas les joueurs en avant. Je mets mon travail en avant. Les joueurs en avant, je les mets par rapport à leur performance. Tu vois, quand un petit marque ou quoi, je veux le mettre. Parce que quand moi, je regarde les matchs, c'est comme si c'est moi qui jouais. Dans le sens où, voilà, je veux qu'il marque, tu vois. Mais tu vois, le respect, c'est trop important. Moi, le respect, sans le respect, c'est mort. C'est mort. Que tu sois Cristiano Ronaldo, si t'as pas de respect pour mon travail, tu vois, t'imagines, tu viens, le gars, il vient tout le temps en retard. Parce qu'il te paye cher. C'est un gros manque de respect. C'est un manque de respect, tu vois. C'est vrai que j'ai dit que le respect, les petits, ils doivent comprendre, le respect, c'est très important. Moi, il y a des petits, j'ai jamais répondu dans leur message. Pourquoi? Dès le départ, le message là, arrogant. Mais toi, t'es qui, toi? Tu crois que tu as changé ma vie?
c'est pas une personne qui a changé ma vie. Il y a que Dieu qui a changé ma vie. Ouais, tu vois, clair. c'est pas une personne qui va changer ma vie. Aujourd'hui, ma destinée est entre les mains de Dieu. C'est pas la destinée d'un joueur tel parce que je prends un joueur. Ah, non, tu vois. Et ça que les petits doivent comprendre, c'est parce que la notoriété, ça. Aujourd'hui, tu peux être célèbre, demain, on te connaît plus. Grave. Tu vois, on te connaît plus. On a vu. C'est comme on dit, le pourcentage de carrière, c'est 6 ans. Donc, tu imagines que tu peux faire. Il y en a qui peuvent faire 15 ans de carrière, il y en a qui peuvent faire 1 an de carrière. Donc, tu imagines, pendant les 1 an, tu as fait, comme on dit, la grande gueule. Tu as fait, tu as montré. Mais après, c'est. Parce que la plupart des gens là, pas mal comme on les voit plus après. Tu vois, c'est vrai, on les voit plus après. Tu vois, mais pourquoi? Tu vois, parce que c'est comme on dit, l'humilité précède la gloire. Tu vois, grave. Donc l'orgueil n'a jamais payé. Je pense pas. Hein. Montre-moi un joueur que son orgueil a payé. Ah. Parce que quand on regarde Zlatan, c'est pas un orgueil ou c'est un rôle. C'est moi, j'aime bien parce que c'est mental. À partir du moment où tu viens avec un mental, moi je suis le plus fort. Que tu t'appelles X, Y, je m'en fous. Je veux jouer comme j'ai envie de jouer. C'est pas toi qui vas te jouer. Ça, c'est la différence. Parce que orgueil. C'est du trash talk, hein. Du trash talk. T'as l'orgueil, t'as même pas fait un an de carrière. T'es déjà là en train de montrer comme si tu plaisais des. Il y en a beaucoup. Hein. Quand tu vas sur Instagram, on dirait qu'il y en a qui ont déjà fait 5, 10 ans d'espérance. Tu vois, c'est fini. Ils ont 10 ans d'espérance et ils sont dans le truc. Et malheureusement, ça m'énerve, tu vois. Pourquoi? Parce que on va pas se mentir. C'est souvent dans notre communauté. Culture, bien sûr. Tu vois, les Africains. Tu vas voir un Belge, un Européen. C'est différent, tu vois. Et c'est que les petits doivent comprendre que l'arrogance ne paye pas. L'arrogance, tu sais, mais vaut être dans l'ombre, tu vois, gagner ton argent, qu'être dans la lumière et être arrogant. Parce que le jour que tu vas tomber, ça va faire mal. Même pour toi. D'ailleurs, il y en a beaucoup à ce moment-là, ils commencent à attendre ton tour, tu vois. Ouais. Et quand tu tombes, frangin, ça peut tomber très mal, tu vois. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas le jour. Un jour, tu peux en haut, être en haut. Non, de mettre en bas. Donc c'est pour ça que respecte les gens qui sont autour de toi, tu vois. Même si quelqu'un te parle, respecte-le, parce que tu connais pas ce qui peut devenir demain, tu vois. Cette personne peut pouvoir t'engager demain. Mais il y a 5 ans t'as fait le malin avec lui, tu l'as insulté, tu vois. Donc c'est ça la vie, tu vois. La vie nous apprend, et j'espère que tous ces petits que je côtoie chaque jour, tu vois, vont. Moi, le plus important, c'est qu'ils apprennent de moi, tu vois, qu'ils apprennent, tu vois, sur la vie, tu vois, qu'ils avancent avec un caractère, tu vois, et qu'ils réussissent, tu vois. Chacun va réussir de sa manière, tu vois, mais sans regret. Parce que les regrets, après, c'est fini, hein. Quand t'as fait 5 ans, 10 ans de carrière, tu peux pas retourner en arrière. Ah, si j'avais su. Et comme j'ai dit, le chemin, il est tracé pour eux. Ils ont tous les réseaux sociaux. Quand tu vois qu'il y a un footballeur qui fout la merde, quand tu regardes ce qui s'est passé. C'est vrai que, tu vois, avec ce qui se passe avec le confinement et tout, tu sais, tu pètes un plomb. Et pour les professionnels, c'est pas facile parce que t'es toujours en pression. T'as besoin d'évacuer, tu vois. T'as besoin de voir autre chose. Quand tu vois que l'autre est parti, on l'a attrapé avec des filles, l'autre... Tu vois, moi, je juge pas. Pourquoi? Parce que, humainement, on a tous besoin de se changer les idées. On a tous besoin de... T'imagines un jeune, il est là sous pression chaque semaine. Il n'a pas de vie de famille, dans le sens il n'a pas de copine ou quoi. C'est normal qu'il a envie de voir une fille, tu vois. Mais maintenant, tu dois tellement te protéger aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va te mettre dans les journaux et c'est ta réputation. Et une réputation, elle est cassée vite, hein. Tu vois, on regarde dans le domaine du sport, tout. Ils connaissent tout, hein. Les agents, les clubs. Ils sont rapides. Hein. Ils sont rapides. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les clubs, ils vont sur les Instagram. Tu sais, avant de signer un contrat à un jeune, ils vont regarder comment tu te comportes. Tu vois, ils vont te regarder comment. C'est quoi le fonctionnement de ta vie là? Qui t'entoure chaque jour, tu vois? Comment tu es, tu vois? Tu crois qu'ils vont te donner beaucoup d'argent et après, déjà que t'as une tête grosse comme. Tu vois? Ils vont dire non, on va attendre un peu avec ces petits là parce que si on lui donne maintenant là, c'est fini, il va plus travailler. Hein. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu mets sur tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est devenu ouvert à tout le monde. Hein. Si on veut te détruire, on va aller chercher là-bas. Bien sûr. Tu vois, on va chercher Instagram, c'est devenu juste. Hey, tu vois.
Ici, justement, d'ailleurs, une question que je me dis, enfin que je me pose, c'est que voilà, tu es dans le coaching et maintenant surtout dans le monde du foot. Tu me parles justement, tu me dis que voilà, même des jeunes te parlent par rapport à leur choix qu'ils voudraient faire, dans quel club ou de ce qu'ils voudraient faire même dans la vie. Est-ce que tu te vois faire autre chose dans le monde du foot et que dans le coaching, donc coach ou vraiment travailler avec un club, quelque chose d'autre que le coaching? Non. En fait, comme je t'ai dit, aujourd'hui, je me suis entouré de beaucoup de personnes autour de moi, tu vois, dans le sens professionnel, qui peut aider ces jeunes-là, tu vois, sur certains aspects, tu vois, genre kiné, tu vois. Je travaille avec un kiné, tu vois. Je travaille avec un conseiller financier, tu vois, qui peut aider les jeunes sur l'épargne, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois. Les agents aussi, j'ai beaucoup contact avec les agents. Maintenant, comme je dis souvent, c'est le joueur qui choisit l'agent. Moi, je suis pas là pour décider avec quel agent tu vas travailler, tu vois. Pourquoi je vais rester dans ce domaine-là, tu vois? Parce que la relation que j'ai avec ces jeunes ne vaut pas la peine pour devenir agent, tu vois. Parce qu'un agent, quand tu regardes, les jeunes, souvent, ils changent très rapidement d'agent, tu vois. Ils peuvent avoir 4-5 agents, tu vois. Un préparateur physique, quand t'es bon, il va rester avec toi toute sa vie, tu vois. Et moi, je pars plus de ce principe-là que moi, quand je prends des jeunes, c'est pour faire 20 ans de carrière avec eux, tu vois. C'est pas pour faire 2 ans, tu vois. Et le monde d'agents, il y a des agents qui sont très bien. Il y a des agents qui sont très mauvais, tu vois. Des escrocs, tu vois. On va pas se mentir, tu vois. Mais maintenant, quand tu connais pas avant la personne, tu vas déjà partir avec un doute. Et moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, et je veux plus m'orienter sur le suivi mental. Parce qu'aujourd'hui, le mental fait tout. Moi, j'aime bien cette phrase, le mental fait de toi la performance, tu vois. Ça veut dire que le mental, c'est ton mental qui va faire de toi la performance que tu vas faire demain, tu vois. À partir du moment où tu montes sur un terrain, tu vas faire les choses pour exploser, tu vois. Et c'est ça que je dis, que je vais rester dans le monde de la préparation physique. Je vais développer, parce que j'ai que 4 ans d'expérience. Il y a beaucoup de choses que je peux développer aujourd'hui, mais que je n'ai pas encore envie, parce que j'ai pas encore l'expérience, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais développer, tu vois. Parce que, comme je te disais, les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, quand je prends professionnel et jeune, tu vois, je suis à plus de 60 joueurs, tu vois. Plus de 60 joueurs. Et 60 joueurs, c'est juste cette préparation physique qui s'est terminée en juillet, là. Je crois que je me suis occupé. Sincèrement, j'ai pas fait le calcul, hein, mais j'étais plus de 50 joueurs, tu vois. Et c'est du travail, tu vois, c'est du travail. Moi, quand je rote, je suis KO. Parce que moi, je crie. Moi, j'aime bien crier. Sur le terrain, je crie. Quand tu fais des choses, là, je crie, tu vois. Et c'est vrai que je dis que il y a beaucoup de choses à faire dans la préparation physique, surtout en Belgique. Tu vois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, je donne pleine force à tous mes frères qui sont lancés dans la préparation physique, comme Drill, tu vois. Drill, c'est vraiment sur le terrain, tu vois. C'est vraiment professionnel, tu vois. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire pour notre communauté. Parce que je vais le dire cash, tu vois. Je commence ici, c'est pour terminer demain en Afrique. Que ce soit au Sénégal. Les structures européennes pour les Européens sont déjà bien établies. Voilà, tu vois. Moi, ça ne m'intéresse pas de travailler dans un club. Je veux dire cash, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux apporter dans ma communauté, tu vois. Dans un autre pays, tu vois, parce que quand tu regardes en Afrique, il y a beaucoup de choses à développer, tu vois. Je préfère commencer ici, j'apprends, après je me casse en Afrique, tu vois. Je vais apporter ce que je peux apporter à tous ces jeunes qui n'ont pas cette possibilité, tu vois. Parce qu'on a énormément de talent en Afrique, tu vois. Et je pense que c'est nous, notre génération, qui peuvent apporter ce changement dans notre pays, tu vois. Donc non, moi, focus sur la préparation physique, chaque jour je lis. Pour encore continuer. Je continuerai à lire, tu vois. Et j'espère développer des nouvelles choses, des choses qui vont permettre aux jeunes d'optimiser leur performance, tu vois.
Mais chacun son domaine, comme je dis, chacun son domaine. Chacun moi, je suis pas, chacun, ouais, ouais, ouais. Je suis pas kiné. Si tu as besoin d'un kiné, je t'amène chez mon kiné. Si tu as besoin d'un conseiller financier, je t'amène chez mon conseiller financier. Mais moi, mon rôle reste grand frère et préparateur physique. Ça s'arrête là. Très enrichissant, très enrichissant. Et j'espère vraiment que dans un futur, on puisse se revoir parce que je suis sûr. Moi, je suis sûr à 100% qu'il sera encore à un autre stade, que peut-être je devrais aller à un autre pays pour aller lui demander hein, si je peux t'interviewer. Ça sera tout cool. Non, trop. Parce que, comme on dit, on cherche à avancer, on va continuer à avancer. Ici, demain, c'est à Londres. Ici, demain, c'est en Afrique. C'est qu'on a évolué. Toi aussi, tu as évolué dans ton projet. Donc, tout est grâce, comme on dit. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Ronald Kabea. Vous allez voir Instagram et tout ça qui sera mis en bio et dans la vidéo. Merci beaucoup. À très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup appris sur le coaching et sur le monde du football. Likez, commentez, abonnez-vous. Propre déjà. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Ciao.